بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Content que ce que vous faisiez là. Et je voulais un petit mot pour Gilles. Je veux dire que je vais prier Dieu pour toi qui te guide sur trois chemins. Et je voulais tous vous remercier parce que si on fait rien, on serait écrasé. Je veux pas que ça fasse comme les Juifs qu'il faut les défendre dans la loi et puis être des bons citoyens. Là c'est beau. Je suis le président du comité sur le racisme Besançon-Franche-Comté. Pour répondre à ce que j'avais entendu et tout à l'heure par rapport au CSN, hein, ce que vous avez maître. Je pense que si on est là, on est là pour construire. Moi, je dis toujours une anecdote, seul on n'est rien, on est fort ensemble. Et je pense exclure de prime abord des arts le CLCR, je pense qu'il faut rassembler. Hein, ce que vous avez dit et tout à l'heure, que les musulmans sont plus dans, voilà, dans la division. Hein, on peut les témoigner aujourd'hui hein, par rapport à l'assistance, par rapport à cette salle, on voit grosso modo, il y avait une conférence hier, ils ont fait carton plein. Hein, pour, voilà. C'est aussi ça, c'est de se rassembler. Voilà, en deux mots, pas plus. Après, je voudrais avoir un échange avec M. Abdelaziz. C'est qui a fait le carton plein? Hier, il y avait un conférencier. C'est musulman, c'est-à-dire. Oui, c'était un conférencier musulman. Un professionnel incontournable, hein, voilà. C'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure, voilà. Mais moi, j'aurais plus après l'essence avec M. Abdelaziz. Ça me donne l'idée et ça me claircit un peu l'avenir et comment, dans quelle mesure, je peux également aider à améliorer les choses. Ça, je veux simplement, ce n'est pas le lieu de le développer, mais je dois vous dire
il y a dans le droit des outils que l'on n'avait pas auparavant. C'est-à-dire que maintenant, on peut faire certaines choses, notamment mettre en contradiction la loi, notamment faire des recours effectifs, alors que ce sont des choses qui n'existaient pas auparavant. Donc, j'aurais été avocat il y a 25 ans, je n'aurais pas pu faire cela parce que les outils juridiques ne sont pas les mêmes et c'est intéressant que des groupes minoritaires puissent s'en saisir. Je travaille aussi beaucoup avec l'ONRAP de Lyon sur la question des Roms et on va faire des recours extrêmement toniques au nom des Roms. Donc, c'est une méthode, on doit bien faire son travail. Je pense que comme le boulanger, j'essaye simplement de bien faire mon pain. Pour ce qui est de l'organisation, le CFCM ou autre, j'ai pu travailler avec eux sur mon registre d'avocat. D'abord, je veux faire une remarque bien précise, hein, c'est que je m'en prends aux structures et alors à la perversion des structures, mais je sais que dans toutes ces structures, il y a des personnes qui sont des gens de bonne foi, qui y croient, qui veulent faire des choses, et il faut que personne se sente, c'est pas du tout, ou alors il faudrait prendre beaucoup plus de temps pour évoquer tout ça. Mais c'est vrai que le CFCM, qui était une bonne idée, a dérivé. A beaucoup de registres pour ramener une forme de tutélisation, de mise sous tutelle de la religion et des libertés, ça pose quand même des problèmes tout à fait sérieux. Et je partage bien l'analyse d'Abdelaziz sur le fait que ces commissions maintenant nommées, c'est un gros problème, voilà, c'est une question sérieuse. Alors, pour ce qui est du voile dans le privé, donc dans le travail, il y a des précisions qu'il faut bien donner là-dessus, parce qu'on arrive à tout confondre avec tout ce qui nous est dit tous les jours. D'abord, dans le public, il y a cette tradition française, mais qu'on peut très bien, il n'y a pas de raison de l'accepter non plus, comme quelque chose de génial. C'est-à-dire que ce qui est attendu, c'est la neutralité de l'agent. Mais le fait qu'une infirmière, le fait qu'un policier porte des signes qui marquent peut-être une appartenance religieuse, en plus, je veux dire, les appartenances religieuses, il faut bien faire attention parce que nous, on les connaît un petit peu parce qu'il y a trois grandes religions en France, mais il y a beaucoup d'autres qu'on ne connaît pas. Aller faire un tour en Inde et aller parler des appartenances religieuses par rapport aux vêtements. Donc, on joue un peu les apprentis sérieux, c'est les apprentis sorciers. Je vois une école où une femme porte elle a quelque chose sur la tête, voilà. Et donc finalement, ils n'arrivent pas à déterminer si c'est musulman ou non. Donc ils lui disent, mais c'est quoi ta religion ? C'est, voilà. Donc il faut faire attention avec cela. La règle doit être que ce qui est attendu des agents, c'est la neutralité. Mais la tradition française sur ce plan, on peut même la discuter, même pour les agents publics. En tout cas, il y a nombre de cas où, par exemple, il y a des arrêts qui ont été rendus en Suisse pour des enseignants en Allemagne, il y a très peu de temps, par la Cour constitutionnelle allemande, donc la Cour nationale, sur le fait de savoir si des instituteurs, des femmes, pouvaient porter le foulard. Et la Cour a répondu affirmativement en disant on doit simplement mesurer le devoir du fonctionnaire par rapport à sa manière de servir et le fait que finalement elle porte un signe religieux ne doit pas être un critère, c'est même finalement un signe de vérité dans la relation. Voilà. Donc, cette idée française sur les agents de la fonction publique peut quand même se discuter. Voilà. En tout cas, il est certain que si vous venez voir n'importe quel avocat sur ce plan, en l'état actuel, c'est blindé. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune marge de manœuvre juridiquement, sauf à faire des recours très longs, très compliqués. Dès qu'on est agent de la fonction publique, des fonctions publiques, il y a un devoir de neutralité de tous les signes extérieurs. Ce qui arrive à des aberrations, je vois l'autre jour la madame Badinter qui était en train de s'exciter comme une folle parce qu'elle aurait découvert qu'il y avait des salles de prière dans les universités. Alors ça y est, c'était un vrai drame. Donc j'ai mis sur mon blog des photos de la Sainte-Chapelle qui est au palais de justice de Paris, comme ça. Où à Lyon on a l'hôpital du Vinatier quand on rentre avec la chapelle qui est au milieu. C'est-à-dire tous les pays se font avec une immixtion du religieux, du non religieux. Et l'idée de cette césure qu'on veut imposer en France, je crois que c'est le vrai problème. On doit fixer des limites que si elles posent un problème. Par exemple, vous travaillez dans la sécurité, vous travaillez dans les hôpitaux, il peut y avoir des règles sur on ne peut pas avoir des grandes manches, par exemple. Voilà, donc il y a des tenues qu'on peut imposer. La référence, c'est l'arrêt de la Cour européenne sur les hôtesses d'une compagnie privée, hein, c'était où euh,
la compagnie d'aviation, et non publique, pardon, et la question était, est-ce que la compagnie pouvait imposer aux hôtesses de n'avoir aucun signe religieux. C'était pas le foulard, c'était la croix, des bijoux comme cela, et en disant, c'est super, il n'y a pas, par rapport au métier lui-même, et soi-disant une tradition d'accueil ouverte à tout le monde, la nécessité d'occulter tous ces éléments. Donc cette idée qu'on pose comme base de tout en France, c'est-à-dire neutralité stricte absolue pour les fonctionnaires, elle est quand même très, très discutable. Voilà. Mais elle est certaine, pour en droit. Deuxième point, les usagers du service public. On ne doit leur faire peser aucune contrainte, sauf si on fait le bazar en quelque sorte. Voilà. Mais quand on est usager du service public, c'est-à-dire par exemple étudiant à l'université, par exemple, ou à faire des démarches, etc. Donc, là, il n'y a par contre rien qui ne permet la contrainte. D'où alors il y a des volontés de le faire, ils veulent le faire par des lois, mais c'est tout à fait clair. Usager du service public, on ne peut rien reprocher. Les mamans, je fais un peu le panel, hein, les mamans qui font les sorties d'école. Alors il y a cette fameuse décision du tribunal de Montreuil qui a dit qu'elles étaient collaborateurs du service public, donc il faut qu'elles respectent les règles sur la neutralité. Alors ça c'est le fameux jugement dont l'appel n'a pas été fait, on va voir comment le remonter au fil du temps. Donc le raisonnement ici est faux, et il était juste même, enfin il est tout à fait établi, et même il y a un rapport de Conseil d'État qui a tranché, la notion de collaborateur du service public, que franchement, on l'avait eu à Montreuil, mais je la vois sortir de partout, on vous la met de partout cette notion. Elle est réelle, mais elle existe depuis 100 ans dans la jurisprudence, elle ne concerne pas le statut qui vous placera dans un statut de droit public, elle concerne uniquement une toute petite chose qui est la responsabilité. Et pour vous expliquer, cette donnée, elle est partie au départ d'un feu d'artifice municipal du 14 juillet, et donc il y a quelqu'un qui était venu donner un coup de main, et il s'est blessé. Et après, c'était la question de dire, ben, c'est un simple particulier, ou est-ce qu'on considère qu'il s'est blessé au service de l'administration? Et donc on a dit, oui, c'est un collaborateur occasionnel du service public, donc on l'a fait bénéficier de ce régime de responsabilité, mais c'est tout. Ça ne crée aucun statut, et donc il est tout à fait clair qu'il n'y a absolument rien en droit qui permet d'imposer, d'exclure les femmes qui portent le voile et qui veulent le foulard et qui veulent participer aux sorties scolaires. Je vois maintenant des dérives qu'on voit dans des écoles où ça joue pas uniquement sur les sorties scolaires, mais ça joue même sur des activités à l'intérieur de l'école. Et donc on a, il y a des réunions, si vous voulez, au rectorat, où ils se prennent la tête là-dessus, je demande ce qu'ils font. Alors ils ont déterminé dans un groupe scolaire, il y avait les quelques demi-journées où les parents peuvent participer aux activités de rentrer dans la classe. Quoi, voilà. Alors il y avait des jeux de société où il y a simplement le fait d'assister à ce qui se passe. Et donc, pour eux, une femme qui porte le foulard, elle peut rentrer dans la classe, rester assise, mais elle ne touche à rien, mais elle ne peut pas jouer dans les jeux de société parce qu'elle devient collaborateur du service public. Et bien, attendez, c'est des réunions de rectorat pour faire ça. Donc, de ce point de vue-là, vous devez être tout à fait clair, collaborateur de service public veut simplement dire que si en amenant les enfants à l'école, vous vous blessez, eh bien, vous aurez le régime d'indemnisation des fonctionnaires. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Il n'y a rien qui permet de l'interdire. Après, on va passer dans le privé. Donc, dans le privé, la laïcité ne s'applique pas. Hein, là aussi, c'est des bases juridiques de raisonnement. Je vois le jour à Lyon, c'est le syndicat des avocats de France qui est plutôt sympathique, qui fait une réunion sur la laïcité dans l'entreprise. Il m'a demandé de venir, alors je suis venu, il y a également un prof et autre, en leur disant on est venu parce que c'est bien de faire la réunion, mais laïcité dans l'entreprise, la laïcité, c'est une obligation de l'État. L'entreprise, elle est privée, donc ne me parlez pas de laïcité. Enfin, parlez de laïcité si vous appelez Caroline Fourest ou quoi que ce soit, et puis que vous faites de la propagande. Mais juridiquement, la laïcité ne veut pas intéresser le privé. La laïcité, c'est un devoir de l'État. Donc dans l'entreprise, il y a deux catégories d'entreprises. On verra bien ce que dira la loi, mais pour le moment, c'est tout à fait clair. C'est l'entreprise générale, donc pour tout le monde. Voilà. Et pour tout le monde, quand on vient au travail, il y a certaines limitations aux libertés que l'on peut justifier, mais qui doivent être, nous dit la loi, strictement proportionnées au travail. Bon, donc, je ne sais pas, nous, au cabinet d'avocats, il y a des salariés, on leur demande une tenue, voilà, s'ils venaient comme un chauffeur poids lourd avec un Marcel et puis un petit short, ça va pas bien vis-à-vis de la clientèle. Mais c'est tout, c'est sur des petites choses comme cela. Mais si la secrétaire vient lundi
avec un foulard, je n'ai aucun moyen, en tant qu'employeur privé, de lui en faire un reproche juridiquement. C'est absolument certain. Alors, joue une seule exception, c'est ce qu'on appellera les entreprises de tendance. Les entreprises de tendance, c'est une entreprise qui a un but particulier. Alors, je vais prendre une entreprise de tendance qui est bien claire, qui est la Mosquée de Lyon, par exemple. La Mosquée de Lyon, c'est une entreprise de tendance parce qu'elle est là pour défendre une idée, enfin une religion en l'occurrence. Et par exemple, il y a la RGMM qui fait qui certifie la viande. Bon, donc là, il y a des options, et après, vous appréciez la certification de la RGMM ou non, mais effectivement, le directeur de la mosquée, quand il embauche un sacrificateur, doit lui dire comment tu le conçois. Et lui, il a une autre option religieuse, c'est un motif pour ne pas l'embaucher ou pour le licencier, parce que c'est vraiment une tendance que l'on défend. Mais par contre, si la grande mosquée de Lyon, qui a un petit jardin, elle doit recruter un jardinier, et qu'elle dit « je prends que les musulmans », elle devient discriminatoire. Elle doit, et si c'est pour son comptable, pour le comptable de l'association, et qu'elle dit « on prend un comptable musulman », ça devient discriminatoire. Donc cette idée de limiter les libertés par rapport à un but, est vraiment concerne très peu de sociétés. On pourrait trouver le même exemple pour un parti politique. Si moi je suis le responsable du Parti Socialiste et j'ai besoin d'un secrétaire pour faire mon agenda, qui est un directeur de cabinet, c'est logique que quand je l'embauche, je lui demande s'il est du Parti Socialiste et s'il est plutôt de la tendance. Voilà. Par contre, pour ce qui serait d'autres... Pour ce qui serait d'autres fonctions, vous retrouvez la liberté. Donc en fait, dans le privé, je m'excuse d'avoir été un petit peu long, mais il y a tellement de diversité dans ces problématiques. Vous êtes salarié dans le privé, l'employeur ne peut justifier d'une limitation que s'il y a vraiment un impératif par rapport au but de l'entreprise. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous avez été embauché comme boucher et que vous dites ben moi je ne touche plus la viande de porc, vous êtes le seul ici. Ça peut poser une question. Mais pour ce qui est de votre fonction, ce sont des décisions qui sont parfaitement abusives et donc le recours, c'est un recours au prud'homme qui est un recours gagnant. Voilà. J'ai une question à double requête adressée à Maître Gilles Demers, parce que le train c'est dans un peu plus d'un quart d'heure. J'interviens pas sur le fond idéologique tout à l'heure. Moi je fais partie du CRI, porte-parole du CRI Belfort, avec Abdelmal et Mme Yoche. Je connais Abdelaziz depuis 98, bon, on y reviendra peut-être après. Donc voilà, nous on est intervenus au sujet de l'affaire Christine Tazac sur Belfort. Donc c'était le. À l'occasion du jour de l'Aïd, en octobre 2013, elle était venue avec toute une armada, des gens de Paris, de Bourgogne, ils étaient à peu près, ils étaient bien un groupe de 8-10 personnes, avec plusieurs caméras dispatchées un peu partout, et ils venaient faire leur provocation à l'aide raciale. Donc on ne l'attendait pas du tout, hein, on attendait Brigitte Bardot, parce qu'elle avait annoncé par voie de presse qu'elle interviendrait ce jour-là, en tout cas qu'elle descendrait sur Belfort. Si vous voulez, c'est par le biais de Brigitte Bardot, la Fondation Bardot en l'occurrence, et par la voix de Brigitte Bardot en personne, que justement cette affaire avait été surmédiatisée à l'échelle nationale. Donc nous, heureusement que, bon moi ça fait 20 ans que je milite, donc on a un certain background au niveau militantisme. Et Christine Tazac, quand elle est arrivée, on l'a immédiatement reconnue. Donc on connaissait déjà tout logiciel idéologique qu'il y avait derrière, quoi. Ça, il n'y a pas de problème. Donc à partir de là, on a improvisé un interview, hein, amateur. Moi j'ai filmé, on s'est mis d'accord avec la Nioche. Bon, et ensuite la tenue des propos tendancieux, c'est de la citation à la haine raciale et tout. Bon, on a porté plainte, on a saisi le procureur de la République, là on a été au pénal. On a saisi le tribunal de Belfort, il a été condamné au tribunal correctionnel en première instance, elle a pris du pénal, elle a pris du sursis, et à notre grande surprise, le 18 décembre 2014, la Cour d'appel de Besançon l'a relaxé. Donc voilà, il y a des questions à se poser. Ça, c'était la première question. C'était, bon, on avait 3 jours pour faire appel, on ne le savait pas, c'est par rapport à la loi presse, hein, relative à la presse. Ça, on était pas au courant. Notre avocat aussi, en même temps, il ne nous a pas trop tenu ses engagements par rapport à nous.
Y a-t-il un recours au niveau de la Cour de justice européenne à Strasbourg? Y a-t-il un recours au niveau de la Commission des droits de l'homme à l'ONU? Bon, ça, mais c'est surtout sur la deuxième requête que je vais intervenir. Là, je vous fais vite parce que vous avez craint. Donc, tout récemment, comme vous savez, elle a publié un tweet. Vous savez, il y a eu un incendie à Mâcon, qui est d'ailleurs la région de là où est originaire Christine Tazin, contre une mosquée turque. Voilà. Et il y a trois jeunes qui ont été arrêtés, qui ont été condamnés à de la prison ferme. Et là, elle a envoyé un tweet, elle a adressé un tweet au ministre de l'Intérieur, Kasdeb, au CCIF et au CRI, en disant la chose suivante, incendier une mosquée est un acte patriotique. Donc, elle valide quelque part, pour moi, c'est de l'incitation au terrorisme. C'est une forme de terrorisme, quelque part. Et il est impensable qu'on la laisse faire. Parce que cette dame, avec toute l'organisation qu'elle a, parce que Christine Tazin, nous, on s'en fout, hein, elle est en train d'enflammer les esprits, elle est en train de préparer une guerre civile. Et comment est-ce qu'on pourrait entrevoir justement la constitution justement de la dossier par rapport à ça? Merci. Donc sur le premier volet, bah, il faudrait voir les jugements. Ce que je dirais simplement comme élément, c'est que vous l'avez attaqué donc au pénal en droit de la presse, et que le droit de la presse est connu pour être un droit particulièrement formaliste, et on arrive à gagner ou à perdre sur des points vraiment de pure procédure. Voilà. Donc quand on a des procédures qu'on nous demande d'attaquer en diffamation, le premier réflexe c'est de dire attention, parce que c'est des procès, si on veut les faire, qui mobilisent un certain budget, il faut déposer des sommes, etc. Et puis par ailleurs, c'est vraiment un droit où on n'arrive pas à avoir un débat sincère. C'est-à-dire que je pense que d'ailleurs il faudrait souhaiter, mais bon, ça c'est vraiment pas demain la veille, que la loi change et qu'on sorte de cette loi sur la presse de 1881. On a une bien meilleure référence en droit européen qui est le discours de haine et qui n'a pas ces aspects de choses graves, etc. Voilà. Mais je fais un vœu, hein, là, parce que c'est pas. Ouais, non, c'est bon. Et. Ouais, c'est bon. On a Dieu avec nous aujourd'hui. Pour le deuxième, il faut lire ce tweet, mais tel que vous le décrivez, effectivement, c'est soit un appel à haine, soit une apologie. Et en tout cas, ça mérite une réponse. Après, on est sur un tweet, donc c'est la loi sur l'économie numérique, qu'il faut quand même bien regarder. Enfin, elle peut être assez compliquée. Il faut faire un constat d'huissier, parce qu'il ne suffit pas que ça soit imprimé. Il y a beaucoup de formalités, et il faut voir sur un plan tel que celui-là, si ce n'est pas la loi au civil qui peut être plus rationnelle. Voilà, même si elle n'a pas le côté spectaculaire. Voilà. Ben, je vous remercie et puis à la suite. Merci, il y a des questions, Yvan. Moi j'ai une question. Ben, la question qui voudrait prendre peut-être. J'ai une question, je voudrais prendre peut-être 2 ou 3 points, parce que là, j'ai plein de bêtises. Et comme elle a été annoncée publiquement, j'aimerais garder ça publiquement, c'est idéal. Ça fait environ un peu 18 ans que je suis à Besançon, je connais beaucoup de monde, puis beaucoup de monde me connaissent. Et machallah, on me connaît par ma transparence, je pense. Hein, c'est tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, tout ce que j'ai fait comme action, les dialogues que j'ai eus. Il y a beaucoup de gens qui m'aiment. Au revoir, monsieur. Il y a beaucoup de gens qui m'aiment, puis il y en a qui m'aiment pas, parce que je suis toujours trop transparent, puis comme tu le dis, j'ai peut-être une trop grosse gueule. Et ça dérange certains. Bon, ça c'est une chose. C'est pas grave, c'est ma nature. Et puis jusqu'à la fin, ça sera comme ça, Inch'Allah. Ensuite, Tahal, Inch'Allah, t'as appuyé sur un point très important. Elle a parlé d'union. Ça fait un an et demi que je cours derrière toutes les associations. Une vingtaine d'associations. Quand on venait en union, on est 4, on est 5. Et là, aujourd'hui, j'aimerais voir des présidents d'associations. Où sont-ils? Est-ce qu'il y a des présidents d'associations actuellement? Aucun. Ah, machallah. Voilà. C'est ceux qui sont autour de la table.
et qui viennent régulièrement. Donc, je pose quand même la question, où va-t-on ? Subhanallah, où va-t-on ? Jusqu'à aujourd'hui, j'ai œuvré, je sais que je suis suivi par X instances, je suis fiché par X instances, mais alhamdulillah, ils n'ont jamais rien trouvé, ils n'ont jamais rien fait, parce que je suis toujours dans la légalité. Hein, jusqu'à aujourd'hui, alhamdulillah, voilà. Donc, j'ai œuvré pendant un an et demi pour réunir les musulmans de Besançon. Donc, en effet, j'ai pas appelé, la mesquine, tu as parlé d'une rap et puis certaines d'Ali, etc. Alors, eux n'étaient pas conviés à ces réunions inter-associations musulmanes, on va dire. En effet, lorsqu'on a fait, on a tenté de faire. En fait, j'ai un exemple très très pertinent. Subhanallah. Lorsqu'il y a eu les fameux frères, nos frères musulmans, mes frères musulmans, qui ont été condamnés, 529 frères musulmans condamnés à mort. Tout naturellement, moi en tant que musulman, je dis ben, bismillah, il faut faire quelque chose. Subhanallah, c'est mes frères. Tout simplement. Quand j'ai contacté les associations, subhanallah, j'ai vu que c'était light, on va dire, comme on dit. Hein. On va dire modéré peut-être, je ne sais pas si on peut employer le terme. Et c'est là qu'avec Ariski, on a rencontré les autres associations. Et j'étais vraiment très émerveillé parce qu'ils ont accepté la ligne et la FDH, le MRAP et on va dire les associations de Besançon, je ne vais pas pouvoir tous les citer, mais il y en avait pas mal, machallah. Et alors, on a accepté de venir autour d'une table et de faire une manifestation pour les frères d'Égypte. Et encore une fois, je pose la question, où sont les présidents, subhanallah, d'autres associations qui normalement devraient être ici, auraient dû être aussi le jour de la réunion pour faire quelque chose pour nos frères, subhanallah. Alors ça, c'est, on va dire, oui, mais c'est à l'extérieur du pays, d'accord. Pourquoi pas. Allez, on va dire qu'on peut accepter votre excuse. Et la Palestine, c'est pas en du pays, tu vois. Il y a tellement de choses à dire. Monsieur Abdelaziz, il a oublié de vous dire une anecdote. C'est que l'adjoint de la voirie n'avait pas d'autorisation par rapport. C'est moi qui ai assumé. J'en ai pris plein la tronche. L'ARJ, il était présent, les renseignements généraux. J'en ai pris plein la tronche et j'ai monsieur assumé au bout. Et j'ai tout dit. C'est très bien. Moi, pour répondre à Mustapha, j'ai pas pris, je suis encore le dixième de ce que je veux dire. Mais je vais quand même résumer parce que je pense qu'il ne va pas trop déranger. Donc, subhanallah, je suis vraiment déçu quand même de l'investissement des associations et des frères musulmans et des sœurs qui ne participent pas à ce genre d'événement et encore à d'autres. En effet, un frère musulman invite les musulmans autour d'une table, salam alaykoum, subhanallah, comme dit le prophète alayhi salatu wassalam, hein, étendez le salam entre vous. Voilà, s'il l'a dit, c'est qu'il y a une raison. Hein, c'est qu'il y a une raison. Mais non, on ne décroche pas au téléphone, on ne vient pas aux réunions et tout ce qui en suit. Donc ici des frères, je pense qu'ils peuvent peut-être m'apporter certaines réponses, hein, parce qu'il y en a certains qui côtoient d'autres associations. Donc aujourd'hui on est là à essayer de faire quelque chose, à essayer de trouver une solution pour nos frères, nos sœurs, parce qu'il n'y a pas que nos sœurs, il y a quand même des frères aussi, bientôt la rap, comme on a dit tout à l'heure. Hein. Donc ça a été déjà l'objet quand c'était le foulard, mais finalement, comme il y a des non-musulmans qui ont la barbe, c'est passé plus ou moins. Donc à partir de là, je me dis, si tout ce que j'ai mis en place jusqu'à aujourd'hui est une bêtise, à la ski, eh ben, je fais une bêtise. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, sur certains points, je considère que Gilles Devers est plus proche que moi de certains de mes frères en religion. Parce qu'il y a des frères en religion aujourd'hui, ils disent que moi je suis un kafir, par exemple. Parce que soi-disant, je n'ai pas la bonne sunna, ou je n'ai pas le bon tawhid, ou je n'ai pas le bon madhhab, ou que lui, il fait partie des 72, que moi je fais partie des 72, que lui, il fait partie de la secte qui va être Najia, qui va gagner le paradis. Mais subhanallah, ça a ni tête ni queue. Ça a ni tête ni queue. Donc moi, quelqu'un qui se bagarre avec moi sur la vérité, c'est mon frère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient avec pouvoir pour les musulmans et les non-musulmans. Half al-Fudul, le pacte de bienfaisance. Ils appelaient ça Half al-Fudul, le pacte de bienfaisance, le pacte de la chevalerie. Il avait 20 ans, il a été invité avec des non-musulmans, des juifs, des chrétiens, des païens, pour faire un acte, une association, un pacte de bienfaisance. Et elle faisait quoi cette association? Elle faisait la justice sociale.
Aller faire défendre l'orphelin, la veuve, le mec qui s'est fait arnaquer, le mec à qui on paye pas son salaire, le mec à qui on a volé son bétail. Et ils ont fait ce travail-là pendant un certain temps. Et quand la révélation est arrivée, 20 ans après, et les Sahaba, ils ont dit au prince sallallahu alayhi wa sallam, il dit, est-ce que tu referais Al-Badr? Il a dit, bien sûr que je le referai. Ça, il nous a montré la voie. Il nous a montré que pour changer le monde, pour lutter contre l'injustice, on peut travailler pour nos musulmans. Mais à condition que le non-musulman ne me la joue pas en mer. Qu'on ne la fasse pas, la SOS raciste de 83, 84. Moi, j'ai vendu des petites mains, j'ai en commandé, j'étais en Ardèche, j'avais commandé 500 petites mains, alors que j'avais fait la marche, j'étais au rap, et je me suis rendu compte que c'était dans l'eau. C'est SOS qui faisait d'une pierre deux coups, ils nous volaient notre combat politique, et ils tuaient le rap. C'est incroyable, hein, parce que le rap, c'était Coco, et que SOS, c'est le PS. Ça, c'est un truc de fou, c'est diabolique. C'est diabolique comme démarche. Et bien là, on dit non. Il ne faut plus maintenant, nos amis de gauche, d'extrême gauche, moi je vous ai dit, je vais parler d'une personnalité, je ne vais pas citer son nom, je l'ai mouché. Je lui ai envoyé un texte de deux pages, certains l'ont lu, je l'ai mouché. Elle a dit, je m'excuse auprès d'Abdelaziz et auprès de CRI sur le fond et sur la forme. Parce qu'elle a compris que son comportement était un comportement néocolonialiste, paternaliste. Moi, aujourd'hui, je le dis à Besançon d'ailleurs, au Forum social des quartiers populaires, je dis Olivier, quand il était encore au FBA, je dis tu veux travailler avec les quartiers populaires? Bien sûr, on est là pour ça, tatati, tatata. Je dis écoute, tu mets les contrôles aux faciès, les discriminations, l'islamophobie, le racisme en priorité de ton programme et on rentre tous au FBA. Il m'a dit non. Pourquoi? Parce que sa classe qui défend, c'est les petits fonctionnaires, c'est la classe moyenne, c'est les retraites, c'est la poste, c'est un certain nombre de problématiques sociales qui n'ont rien à voir avec les damnés de la terre, comme on les appelle les contre-référendums. Et donc on a compris que même chez nos amis politiques, nos compagnons de lutte, il y avait de l'entourloupe qui nous utilisent comme des supplétifs politiques. Attention, le Front National arrive, votez, votez pour nous. Front National, on connaît, on a déjà donné. Et on arrête de nous jouer la carte de la peur du Front National, puisque ces idées elles sont déjà en application dans la droite et de la gauche. Donc maintenant, on organise notre force autonome, et le jour où les citoyens français de conscience humaine seront structurés de manière forte dans les villes, dans les régions, au niveau national, ce jour-là, peut-être qu'on aura un peu plus de respect. Et il n'y a que par là que ça passe. Le reste, c'est de la foutaise. Voilà. Particulièrement, donc je vous attends, mais en attendant, j'avais envie de rendre hommage à notre communauté musulmane. Là, je parle en mon nom propre, hein, et notamment et surtout aux femmes voilées qui subissent à 90% de ce point de vue-là, ce qu'on peut en conclure, c'est que nous avons une force. Nous avons de l'endurance et ça c'est quelque chose de très remarquable. Je ne suis pas sûre qu'une autre communauté avec une autre culture aurait pu autant résister et garder encore le moral. C'est vrai que la mobilisation aujourd'hui comme on le voit n'est pas à la hauteur du défi de l'islamophobie, mais tout de même on est là, on va avancer et je suis pleine d'espoir. Ensuite, pour répondre à madame concernant ce que l'on peut faire, moi je pense qu'on peut agir sur deux volets, sur deux plans. Déjà, évidemment, les décisions elles se prennent sur le plan politique, hein, pas de chez nous, pas dans les cafés. Donc, inscription sur les listes électorales, s'y rendre, et oui, je parle globalement, voilà, rejoindre CRI. Voilà. Politiquement, il faut exister. Secondo, sur l'autre terrain utile, c'est sur, étant donné qu'on est en pleine mutation, le monde est en pleine mutation, c'est travailler sur l'imaginaire, la fabrication d'un imaginaire collectif. Aujourd'hui, il est en pleine crise, on l'a dit, concernant la spiritualité, c'est quelque chose qui fait défaut en France et que nous, on vient en tant que musulmans et de manière visible rappeler l'histoire de France d'une part. Et donc je pense qu'il faut construire à ce niveau-là. Donc pour tous ceux qui sont capables de produire des écrits par exemple, écrivez. Si vous savez, je ne sais quoi, si vous êtes capable de mobiliser autour de vous, ne serait-ce que autour
d'un café du monde et parler de ces problématiques, histoire de se sauver. Si vous avez la possibilité aussi de rencontrer des non-musulmans et de faire de la dawatique, pourquoi pas? Je pense que là-dessus, progressivement, il ne faut jamais s'attendre à ce qu'un monde du jour au lendemain change. Hein. Ce n'est pas en 24 heures, ce sera sur des années, mais il faut absolument se projeter pour nos enfants, nos petits-enfants, et reconstruire cet imaginaire social qui fasse que tous ensemble, on puisse vivre. Hein. Que ce qu'il s'agisse de non-musulmans, de musulmans ou de quelque autre culture, il va falloir apprendre tous ensemble à vivre collectivement ensemble. Voilà, merci. Juste par quelque chose, c'est une suggestion à vous de voir. Moi, je rêve d'avoir une salle mixte. Je rêve de voir pas que des musulmans. Je rêve de ne voir pas que des blancs. Je suis allé dans une conférence à Bédario, il y avait des blancs. Attaque, c'est Attaque qui invite. J'aurais dit, c'est dommage. Là, c'est les musulmans qui invitent, c'est une association de lutte comme Kikali. Eh bien, j'aurais dit, moi, alors soit moi, je vous invite à faire des conférences communes. Moi, j'ai pas de problème à faire des conférences communes avec la LDH ou avec le MRA ou avec qui vous voudrez, dans la mesure. Où on va trouver une solution commune. Parce qu'aujourd'hui, le feu est dans la baraque. Et si la baraque elle prend feu, on va tous s'y passer. C'est pas que les musulmans. La preuve, les fameuses deux lois dont je vous ai parlé, terroristes et renseignements. Adhérez, s'il vous plaît. Adhérez à Christ, si vous pouvez rien faire, donner ne serait-ce que 5 euros par mois pour qu'on puisse avoir une pérennisation, qu'on puisse avoir l'indépendance financière. L'autonomie, le nerf de la guerre, si tu l'as pas, tu vas perdre la guerre d'avance. Donc faites un effort, ça coûte pas grand-chose de mettre 5 euros tous les mois. Un virement automatique, vous avez des trucs là, les coordonnées, vous voyez avec Mustafa, avec les gens d'ici, avec Ali, il n'y a pas de problème. Vous avez la possibilité de faire une formation juridique, ma soeur. La soeur a posé la question. Les frères et soeurs ici de CRI, on vous envoie chez la mère, c'est de la balle, hein. C'est de la balle, comme disent les jeunes, c'est pas n'importe quoi, c'est du grand barilou. Eh bien, on vous envoie des sœurs du groupe Pôle juridique, vous faites une formation avec elles. Il y a une sœur qui nous a accompagné là-haut, qui fait partie du Pôle, qui peut venir avec la sœur Hasna pour faire une formation juridique. Prenez les outils. Le prophète Hassan, il a dit, celui qui apprend le langage d'un peuple se prémunit de leur mal. Apprends le langage du droit, apprends le langage de la politique, tu vas te prémunir du mal des juges injustes et des politiques injustes. Conférence mixte, militez, chacun de vous, je vous assure, même le dernier enfant qui est venu là, qui a 10, 15 ans, 12 ans, même dans son école, il peut faire quelque chose. Il ne peut pas, il prend un autocollant, il le colle sur les identitaires. Vous en avez quelques-uns ici, des fachos là. Il placarde. Moi à Lyon, je le vois partout. Et bien moi, à mon âge, et bien, j'ai plein, regardez, je vous parle là. Eh bien, j'ai plein de documents à perdre, d'autocollants, et je me balade à la gare, sur l'autoroute. Voilà, je colle. Pourtant, c'est pas mon truc. De toi, ton âge, intéressé. Eh bien, oui, je colle. Parce que je me rends compte que l'opinion publique, elle est façonnée par le ça, par le message, par la publicité, par la propagande. Pourquoi les hommes et femmes politiques, ils nous mettent des grands panneaux? Parce que ça tape le subconscient collectif. Mais moi, je lui mets non à l'islamophobie. Je mets un autocollant sur mon classeur quand je vais à l'école. Je mets un autocollant sur mon cartable quand je vais au boulot. Je ne le mettez pas sur la voiture parce qu'il va vous agresser la voiture. Un frère à Marseille, il a mis une il a envoyé la voiture, mon Dieu. Parce qu'on s'entend à Marseille. J'y vais, t'es fou. T'as plein de racistes, tu es moins. Chacun de vous qui est capable de faire quelque chose. À l'université, au travail, en tant qu'élu, en tant que. Tout là, faites quelque chose. Mais l'essentiel, ne restez pas spectateur. Rejoignez les frères et sœurs de CRI, vous verrez. Quand la cellule, elle va grossir, on va vous regarder différemment. Les hommes politiques là, qui vous snobent là, qui refusent de venir, Zarma, monsieur le maire est surchargé, monsieur le préfet ne peut pas, monsieur le député est occupé, ben vous verrez que ça va changer. Et aujourd'hui, je vous donne un exemple, c'est que je veux faire la concurrence des minorités, mais quand même, quand on voit le repas du CRIF, des institutions juives de France, ce que Finkielkraut appelle le tribunal dînatoire. Écoutez bien, c'est pas Abdelaziz ou Gilles de Verre ou Jamila. Alain Finkielkraut dit c'est le tribunal dînatoire. C'est-à-dire, tu viens dîner, mais en fait, on va te juger. Et tu vois les mecs du CRIF, ils s'adressent à la République en montrant du doigt. Monsieur le ministre, vous n'avez pas fait le boulot. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, la question de l'Iran, la question du nucléaire, la question de l'antisémitisme dans les banlieues. Et ils servent de la République et tout le monde se bouscule. Il y en a, ils sont bousculés, ils sont presque battus pour rentrer, pour être à côté du président du CRIF. Rendez-vous compte, il y avait deux présidents, Sarkozy et Hollande en même temps. Ils sont allés. Il y a 23 ministres qui étaient présents au dernier repas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on est organisé, quand on est structuré, quand on pèse,
politiquement ou économiquement, on obtient le respect. Donc moi, je finis, je vous dis, rejoignez CRI, renforcez CRI, vous gagnerez en respect, on y gagnera tous en termes de liberté, en termes de droit et en termes d'égalité. Bah, j'ai envie de dire un mot comme ça d'espoir. J'encourage tous les gens de Besançon, bon, moi je suis originaire de Belfort, à rejoindre l'antenne CRI de Besançon. Yazid, j'espère, son futur porte-parole, un de ses futurs porte-paroles. J'attire aussi votre attention sur le fait que bah, parmi les porte-paroles, il peut y avoir aussi des femmes. Après, c'est à vous de porter volontaire. En tout cas, nous, sur Belfort, on travaille beaucoup là, sur cette question-là. Quand on a les réunions de bureau de CA, voilà, souvent, on propose à des sœurs d'être porte-parole, parce qu'on a plusieurs porte-paroles. Voilà. Nous, si vous voulez, on n'est pas habilité à parler à votre place. C'est en ce sens-là que je dis ça. Et dernière chose, je reprendrai une citation de Christine Delphi, qui est une figure historique du féminisme, du mouvement féministe en France, qui disait que la non-mixité dans les organisations autonomes est une nécessité. Entendre la non-mixité, faut l'entendre par non-mixité pour une femme, parfois dans ce sens-là, mais non-mixité dans le sens où il est impératif aujourd'hui, si on veut aller vers une plus autonomie, pour pouvoir prendre en charge ces questions spécifiques de l'islamophobie, que ni SOS Racisme, j'ai aucun problème à dire, ni la MINTRA, ni le MRAP, sauf à l'époque de Mouloud Aoudit, peur en son âme, aucune de ces organes, compris la Ligue des droits de l'homme, que je connais très bien, sont des associations que je connais très très bien. J'ai eu affaire à eux, j'ai été confronté aux tribunaux pendant des années, je les ai sollicités, compris les syndicats, personne ne m'a soutenu. Donc, toutes ces associations-là ne veulent pas prendre en charge la question de l'islamophobie. Si vous voulez, pour schématiser, après déjà lui l'a très bien expliqué tout à l'heure, quand on veut faire à la sauce SOS Racisme ou à la sauce Ligue des droits de l'homme, si vous préférez, pour caricaturer, il faut faire allégeance au sionisme et il faut faire allégeance quelque part à l'islamophobie. Donc nous, il n'en est pas question. Voilà. Donc, les gens de Besançon, s'il vous plaît, renforcez l'antenne CRI, que ce soit par des dons au niveau financier, allez au rassemblement, quand il y a des appels à rassemblement, adhérer, l'adhésion c'est 5 euros. Voilà. CRI est une association autonome qui fonctionne sur aucune subvention. Il y a 17, il y a une vingtaine d'antennes au niveau national. Voilà. On s'est rassemblés le 14 mars à Belfort. Il y avait 17 rassemblements dans toutes diverses villes de France, y compris à Londres, dans des pays étrangers, en Allemagne et tout. Et nous ne sommes forts que par votre présence. C'est vous qui constituez en réalité notre véritable force. Parce que nous seuls, nous en tant que, quand je dis nous, c'est en tant que militants. Et dernière chose, CRI. Comment ça se fait, j'ai envie de poser une question là, comment ça se fait que dans les masses médias, quand on parle des SOS racistes, de la LICRA, de la Ligue des droits de l'homme, on dit ce sont des organisations de défense des droits de l'homme ou des associations antiracistes. Comment ça se fait qu'on ne dit jamais association chrétienne, juive, pour désigner la LICRA ou les droits d'homme, ce qui serait une aberration en soi, hein. On est d'accord là-dessus. Et comment ça se fait que, systématiquement, lorsque les masses médias et lorsque nos détracteurs désignent le CRI ou le CCIF, systématiquement, les qualifient d'associations musulmanes. Ça, c'est inacceptable. CRI et CCIF, on a des divergences idéologiques, certes, c'est acté. Ce sont des associations loi 1901, non confessionnelles, de lutte contre le racisme. Point barre. Donc, pourquoi nous, on serait des associations musulmanes et pourquoi la LICRA et le racisme, ce ne serait pas des associations juives et chrétiennes à ce moment-là? Expliquez-moi, il y a un problème là. Voilà, il y a un fils rouge. Merci.
Donc vous pouvez contacter la sœur, on va dire c'est plus ou moins la secrétaire de King Besançon. N'hésitez pas. Laissez vos coordonnées, on va prendre des mails. Laissez vos coordonnées, on avait bien mis sur le formulaire. Ça va, quoi ? Donc, je me présente, je suis Asma, et secrétaire du CRI Besançon. Donc, si vous avez besoin d'un renseignement ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous regarder. Laissez les coordonnées à la fin de la conférence. Et donc, pour clôturer avec quelques petites annonces, donc il nous reste des sandwichs, donc 1,50€, et des assiettes gâteaux, 1,50€, si vous pouvez, Inch'Allah, faire un effort pour emmener ça. Et puis, on va clôturer, Inch'Allah, avec une lecture, comme on l'a fait au début, pour finaliser, afin qu'Allah soit interdit nous assiste à la porte là-bas. Là-bas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Au nom de Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Maître du jour de la rétribution, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin. Le chemin de ce que tu as comblé de faveur, non pas de ceux qui ont roulé la colère ou les égarés. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tastawi al-hasanatu wa as-sayyi'atu. Irfa' billati hiya ahsanu fa idha alladhi baynaka wa baynahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami jaloux. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'lu ya ayyuhal nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرامكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Oh homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous en reconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وزعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل
أحمل علينا إسرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم.